Quoi, y a une autre quête? Oula, tu t'excites un peu trop, toi, je trouve. Faut comprendre, c'est... Y a une autre quête, là, dans la zone? Ah, l'armurier, il a une quête? Qu'est-ce que je fais? Je vais la chercher. Ouais, de toute façon, on n'est pas à ça, on n'est plus à ça près, quoi. Il y a Demvor le Miata qu'on est Blanis. Nek, nek, avant le Miata. Peut-être qu'il a une quête de folie pour avoir une clé mort plus 24. Dites donc, vous, vous auriez un peu de temps? J'ai que ça à foutre, mon père est mort, je dois sauver la planète, mais j'ai que ça à foutre. J'ai toujours pas fait une seule... Ah si, j'en ai fait une, j'ai fait une quête véritable. D'abord, je vais vous dire ce dont j'ai besoin. En 7 heures de jeu, tout le reste, c'est va chercher un coquillage, va me chercher un sandwich, va me chercher un coquelicot. Alors c'était pas une blague? Le disque de Kotes est en feu? J'ai l'impression de jouer à un MMO coréen, tu sais, gratuit de 2002, où tu fais des slash tasks sur les personnages, sur les mobs, sur les PNJ, je veux dire. Et il va faire nuit, et je vais pas pouvoir faire la quête. Parce que oui, Dante, la nuit, tu peux pas te promener. Tu peux pas non plus conduire. Puis va retrouver ce que j'ai récupéré. On va faire ça, c'est à 2 minutes. Au pire, il y aura peut-être un peu d'ennemis pour se battre un peu, histoire de me réveiller un peu. On y va ? Et quand t'es pas rendu à un endroit, t'es obligé d'y aller en voiture, Dante. Hey, Noct. Ça te dit pas qu'on aille dormir là-bas? T'as repéré un truc? La nuit est pleine de dangers. On ferait bien d'aller se coucher, et vite! Bon, si tu veux. Alors c'est décidé. Ignis, on y va? Ok, c'est noté. Non, voilà. Voilà la vitesse où le... Oh, il revient en ville pour dormir. Le soleil se couche. Noct, je pense que le moment est venu de décider d'un endroit où passer la nuit. Ouais, je suis d'accord. Les RPG Jap ont un style à part. Pour ma part, j'ai une large préférence pour l'univers des RPG occidentaux, même si j'aime pas trop les RPG de base. Les RPG Jap, j'adore l'ambiance des RPG Jap. Le problème des RPG Jap, c'est le game design, les mécaniques de gameplay. Et l'intégralité du jeu qui est totalement archaïque et qui a toujours 15 à 20 ans de retard. C'est pour ça que c'est génial les RPG occidentaux. Tu prends Oblivion, Skyrim, et d'autres RPG du truc, tu sors. Il y a une IA dans les ordinateurs. Il y a une IA, il y a une mécanique de gameplay, il y a une liberté. Il y a un truc de dingue qui se déroule. Tu vis une vraie aventure. Les RPG Jap, t'es dans une mécanique de gameplay, tu vois, là, tu veux t'amuser? Non, faut que t'ailles dormir. Parce que tu vois, il est 20h et le petit Noctis, il doit dodo. Et ce petite boucle de banjo, je vais lui faire bouffer. Content de vous voir. Je vous loue une chambre? Non, c'est pour faire un tennis, connard. Waouh, elle est cool celle-là. C'est vrai, je l'aime. Et aussi. Toutes les photos sont mal cadrées. Il coupe les pieds en bas. Toutes!
Oh, une bien. Oh. Il touche la bite ? Oui, mais Witcher, c'est un RPG occidental, c'est normal que ça soit bien. Bon, 6h du matin. Ah, belle matinée. Ta gueule. Yo. Ah oui, attends, faut que je repasse le plein aussi. Ils t'ont fait que des mécaniques... Approchez la... Oh là là, ils t'ont fait que des mécaniques qui cassent couilles. Mais si au moins c'était beau et que tu prenais plaisir à regarder, mais... C'est dégueulasse. Si au moins il y avait de la conduite à la GTA, à la Watch Dog, ça serait intéressant. Ça ne demande pas une physique exemplaire à la Forza Horizon, mais une physique et que tu puisses conduire. Même ça, non. Bon, vous êtes tous prêts ? Ouais. Faut vraiment que je fasse le plein, par contre. J'ai vraiment pas envie de me retrouver à 4 km d'une ville et que je fasse tout à pied. Va, va là, va là. Allez. Mais non, vas-y. Chris, arrête-toi ici. Entendu. Et si on se reposait un peu ? Bah oui, on a fait trop de chemin. Et on recommence. On y va quand tu veux, Ignace. Ça fait 10 minutes que j'essaie de partir vers la quête. Allez. Regardez-moi la magnificence de ce compteur. Enfin, de ces compteurs. Il y en a plein. Le jeu est magnifique. Jamais vu. Je reviens. Salut The Bat. Oh, tu kiffes à fond, tu plaises. Oh, la plaise. Wouh. Regarde la majestuosité de ces décors de jamais vu que j'en prends sur ma 137 en 4K. Je suis... Tellement c'est magnifique. On a besoin d'exercice. Je suis arrivé. T'aurais pas pu mettre plus près ? Ah, c'est verrouillé. Pas mieux cadeau de chocobo. Oh. J'arrive pas à me la sortir de la tête. Ouais, ouais, mais moi je vais te rentrer quelque chose d'autre dans la tête. Et ils ont une boucle de discussion de 5 minutes.
Oh non. Oh non. Non. Ah mais c'est devant en fait. Il y a un flou devant le compteur où je rêve. Bah j'ai mis une photo là sur Facebook là, justement du compteur si tu veux voir plus en HD. Super la météo. Ouais, tu l'as dit. C'est mignon, tu as encore la volonté de faire les quêtes annexes. Mais en fait, je suis obligé de faire les quêtes annexes. Sinon, j'ai pas assez de level pour continuer l'histoire principale. Je tombe contre des ennemis beaucoup trop forts. Donc, je suis obligé de faire les quêtes annexes pour engranger de l'XP, pour monter de level. Voilà. Elle est où la magnificence de la beauté graphique Dommage qu'il n'y ait pas de vue intérieure, dommage qu'il n'y ait pas de mode photo. Alors, par où on monte? Qu'est-ce qu'il y a au sol? Éclat d'argent. Tu peux prendre une photo? On est là pour ça, trop de balles. Puis elles sont tellement intéressantes ces quêtes, tellement bien écrites. Sérieux, pour le coup, je fais les quêtes annexes au début pendant 3 heures. Ouais, mais j'ai rien fait, moi, c'est pour ça. Donc j'ai fait un tout petit peu de quêtes annexes, mais pas fait grand chose. Ah, tu vois, j'ai pas le level 27, quoi. Vas-y, il est tout seul, on va tenter. Ouais. Belle bête. Regarde ce que tu fais. J'ai pas fait exprès. Bien. Eh, hey, Prompto, attention à pas glisser. Très bien. Allez! Putain, mais elle sert à quoi cette arme si t'as besoin d'une heure pour taper? Ouais, non, mais laisse tomber, il m'a presque one shot tout le monde. Non, non, on va utiliser la puite, ça c'est. Hey, on a de la visite. Bon, comment je récupère ma voiture moi? Pardon. C'est quel level ça? Oh non, non, niveau 25, mais non. C'est pas compliqué. Mais non, mais t'es mort, reste au sol. Oh putain, mais il y a les autres en plus. Note, attention sur la gauche. Merci. T'as aucun plaisir dans le jeu, tu passes ton temps à fuir, c'est génial. Le level design est extrêmement mal fait, ils ont positionné des ennemis beaucoup trop puissants dans des zones où tu vas... c'est... Elle est où ma bagnole déjà? Elle doit être par là je crois. Oh merde, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes combien vous? 25? Mais non mais... Oh là là, je suis entre deux feux. Oh là 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 là. Mais non, c'est pas le moment d'être fatigué. Ma voiture par là. J'ai pris du plaisir moi depuis que j'ai commencé le jeu.
Ah si, à un moment j'ai pris du plaisir. Je m'en souviens. Ouais. On peut aller directement à la bagnole. Ah putain, merci, je vais regarder ça. Ah, ça se dégage. Ah, j'aime bien la voiture qui ouvre son toit seul tout. Bon, vous êtes tous prêts? Ouais. Ok, on y va. Et pourquoi je peux pas y aller maintenant? Ah, il faut aller à un autre endroit. Tu as pris du plaisir quand tu t'es arrêté pour manger. Ça me voit rien. Je vais prendre une photo. Merde, je suis arrivé. Quel est le programme? Oh, je suis arrivé, shit. Bon, je vais prendre une autre photo plus tard. Non, je dois faire quoi ici? Prendre une photo? Ah, ça va, c'est juste là. Là, c'est cool. Attention, séquence photo. Pour plus bagages. Putain, et ça c'est super. Ah, c'est bon, je peux téléporter. Ouais, mais 3 minutes de téléchargement ou 3 minutes en bagnole, c'est quoi le mieux? Si, si, je me TP, ouais, tu peux te TP. Ouais. Tu peux te TP aux zones où t'es déjà allé en fait. Mais bon, temps de chargement, c'est le temps d'y aller en bagnole quasiment. Il se dit sur Facebook. Allez, encore un peu d'XP en plus. Putain, je deviens fou à lire ton Facebook. Vous revoilà! Alors, ces photos, c'est un succès? Vas-y, juge par toi-même. Sérieux, Ico, non. Shadow of the Colossus était plus beau. Je
Shadow, je vais mettre Shadow of Colossus 2 Confirmed. Confirmed. Oh oui, c'est du très bon travail. Des clichés parfaitement publiables. Magnifique. Pour être parfaitement honnête, j'ai développé tout ce projet sans rien dire à mon équipe. Si vos photos avaient été nulles, j'aurais eu l'air ridicule avec mon idée d'enquête. Mais alors, t'es le rédacteur en chef ? Rédacteur ? Je suis PDG. Hein ? Je suis le président directeur général de Meteor Publishing. Waouh ! On dirait pas ? Pas du tout. Au moins t'es franc. Je fais pas très PDG, mais j'espère qu'on retravaillera ensemble. Wouh ! 2000 XP. Il a encore une quête de photos, génial. Bien, mes reporters photos. Une petite mission, ça vous dit? Ouais, vas-y, on voit ça. Je bosse toujours sur mon gros projet d'enquête sur les vieilles légendes. Mais il me manque un cliché du tombeau royal du Bosquet des Vestiges. Et pourquoi ce tombeau royal en particulier? Enfin, tu le sais bien. Il y a un lien entre la famille royale du Lucis et plein de légendes mystérieuses. C'est pas sûr comme quoi, mais bon, ça se tente. Hein. Faut pas te prendre la tête, tu acquiesces sur leur truc, tu dis ok, merci c'est de ton argument. Prenez aussi un cliché du portail. C'est un bel exemple de l'esthétique et du design minutieux. Salut du William. Alors, je vois d'où. Bah, pourquoi ma voiture elle est pas là? Elle est là. Conduite automatique, quête. C'était ça, non? Ouais. Mais je lui ai pas fait faire son deuil à lui? Je lui ai pas fait faire son deuil à lui? Bon, on verra bien. Peut-être que j'ai jamais pu... je sais pas où ils l'ont chopé ce cliché. Hein. Mais ça sent la magouille. C'est le temps de chargement. Allez, tout le monde descend. Chercher la plaque. Mais je l'ai pas fait, ça ! Ah, il y a peut-être une deuxième plaque. Peut-être une deuxième... Mais non. Peut-être une deuxième plaque. Vous êtes quel level, vous ? Bah, donnez-moi votre level 3. Ok, bon, on va attaquer. Bon, histoire de se... revigorer un peu, parce que... Soyons précis. La perfection. Nouveau parfait.
Ah mais il est chiant cette arme, elle te remet 3 plombes en fait, t'as pu... Joli travail. C'est normal. Hein, quartier. Tu dépasses les gants. J'ai glissé. Ouais, tout le monde a dit ouais mais sur PS4 j'ai pas de problème. Mais oui mais moi je suis pas sur PS4. Tu sais c'est comme si je disais ouais mais j'ai un cancer, tu comprends? Je comprends pas, moi j'ai pas de problème, je vois pas de quoi tu te plains. Ferme-la, c'est... Par ici! Finis, il rigole pas! Mais qui c'est? Prends-toi, tu gères! Cette fois, la peur va changer de camp. Magnifique caméra, magnifique angle de caméra. Inutile. Et ça, même sur PS4, si le jeu est hyper beau, je suis sûr que c'est le même angle de caméra, la même gestion de la caméra, la même mécanique de caméra, la même pourriture de mal branlage de mécanique de jeu. Et les gens ils vont quand même te dire ouais mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allô ? Ça va ? Oui ? Rendons la vite à qui de droit. T'as un peu de lumière ? Très bien. Ouais ? C'est tout ? Oui, y a quelque chose de mis sur la table. Ouais, ça marche, ça marche. D'accord. Tiens, je te laisse la petite. Tiens. J'aurais peut-être dû y aller en bagnole. Un quoi, je peux me téléporter à la bagnole. Ouais, mais je vais me téléporter en bagnole pour aller me téléporter ailleurs. Tiens, what's your grass, mom? Dis, quoi, avant que tu y joues, ça fait 15, c'était un candidat au GOTY. Pas un candidat au GOTY, mais la démo de Sky était très convaincante. Était vraiment convaincante la démo de Sky, d'ailleurs tu peux regarder. On n'est pas mieux cadeau de chocobo. Moi je te laisse mon cœur. Oh. J'arrive pas à me la sortir de la tête. La démo était vraiment convaincante. D'ailleurs tu peux regarder mon best-of sur la heure de Sky, j'ai pris du plaisir, du fun, je me suis amusé, j'ai rigolé. J'ai même trouvé ça esthétiquement joli, mais ce jeu est plus moche que la démo de Sky. Totalement. On est enfin arrivé. Pardon ? Ah bah attends, vu qu'il fait nuit déjà, autant faire passer au jour. Et engranger l'XP. On s'arrête là pour aujourd'hui. Donc même si t'étais pas un candidat au GOTY, bon. Ça devait être un bon jeu, ça devait pas être un massacre pareil. Un jeu sympa, un jeu bon, mais pas un massacre pareil. Je suis sûr que si je relance The Sky, il est beaucoup plus beau, et même au niveau des mécaniques de gameplay, il est beaucoup plus correct. Par contre, ouais, la bouffe en 4K. Je vais passer au niveau 19. Ok, c'est pas mal. Ah, c'est donné sur cette journée au niveau photo. Je crois que je devrais en faire mon métier. Non.
Non. T'as appuyé pile. N'en fais pas ton métier. Mais quel est le crétin qui a programmé, qui a dit à Prompto, ah lui, on va en faire un photographe, on va mettre des super belles photos comme ça. Alors, soit le mec n'a jamais vu un appareil photo de sa vie, soit les photos sont gérées procéduralement et ça prend au hasard des screenshots à certains moments typiques. En avant. C'est pas possible. On y va. Qu'est-ce que c'est que cette texture? Vite, avant que ça charge. Une photo. Ah bah non, ça charge même pas. Bon, c'est pas grave. La bouffe, elle est en 4K. Ils auraient récupéré 400 kilos de la bouffe pour le foutre dans la montagne, là. 400 kilo-octets, hein. Quand je dis kilo, je parle de kilo-octets. Hein. On y est. Utilise la capture de la One, sinon les gens vont sortir, ouais, c'est moche, parce que tu prends avec ton phone. Ah bah ça, c'est l'argument le plus débile possible. Tu peux prendre Forza Horizon 3 au téléphone, sur ta télé, tu vas dire que, ouais, mais ça, c'est joli. Et je peux pas utiliser la capture de la One, parce que si j'utilise la capture de la One, ça coupe le stream. Donc c'est très bien par le téléphone. Et si le mec il est tellement autruche avec la tête dans le sol et qu'il arrive pas à se dire « Mais c'est moche, même en téléphone, c'est hyper moche !» Alors imagine, sur une télé, comment c'est ? Un jeu beau, tu le prends même en téléphone, le jeu il est beau. Il est un peu moins beau que directement sur une télé, mais il reste beau. Un jeu incroyablement dobique, même en téléphone, il va rester incroyablement dobique à la télé. Le gars s'appelle Noctis, moi qui rapproche de Nocturne, il a peur de... Non, Noct, c'est un ongle. Noct, c'est plusieurs ongles. Le mec s'appelle Ongle. En serbe, Noct, c'est ongle. Noct, c'est un ongle. Noct, c'est des ongles. Non, c'est pas ça. Retourner à la voiture. Tu vas pas me dire que tu charges. Tu vas pas me dire que tu vas charger pendant 8 ans. Elle est à 300 mètres la bagnole. Elle est à 300 mètres. Ah ça va, un petit chargement. Donc du coup c'est là que je peux la valider aussi alors. La baie sur le gâteau. Et si on se reposait un peu? Sinon zoom, ouais, pareil, la carte du monde, ouais, je l'ai déjà zoomé plein de fois, mais... Voilà. Qu'est-ce que ça leur coûtait de faire une carte en HD? Ça aussi, je vais le twitcher, je vais spoiler...
Je vais spammer Facebook. Ah, ça rend pas trop. On voit pas trop les pixels parce que j'ai pas une assez grosse définition. En plus, de les prendre au téléphone, ça rend le jeu moins moche que si je le prenais avec une vraie screenshot. Donc tu vois, je rends honneur au jeu à le prendre avec des photos. Oh. Vous êtes rentré, ça y est? Ouais. Oui, ça fait 3 semaines. Et vous voulez faire quoi avec ça? Un truc que même vous aimerez. C'est-à-dire? Vous verrez bien. Commandez-le si vous voulez savoir. Et voilà la récompense. Ça vous servira pour la cuisine. C'est déjà ça. Oh non, il a une autre mission. Ah merde, j'y ai parlé. Bah oui, parce que pour déclencher la mission, à lui, faut pas parler à lui. Faut parler au carrelage qui a par terre devant lui pour déclencher la mission. Salut. Vous voudriez pas faire une course pour moi? Ouais. Et ce sera quoi cette fois? Un peu de chasse. Il me manque un ingrédient pour la cuisine. Ok, compris. Merci bien. J'attendrai votre retour. Cool. On n'a plus qu'à le ramener à Taka. Ne le faisons pas attendre. Alors... À mon avis, il est capable de faire le job tout seul. Un bon coup de couteau. Tchac. Il doit savoir comment achever un animal. Ah bah voilà, voilà une belle photo. Comment donner le coup fatal. Il a fait une photo de son tableau de bord. Charmant. Et bah voilà, je vais faire ça, tiens, regarde. Regarde, je vais faire ça. Pousse-toi, toi. Photo, alors, hop, hop. Alors, conduite automatique, quête. Bon, on va continuer l'histoire principale. Je pense que je suis assez haut level là. Je vais juste, en descendant de la bagnole, je vais juste vérifier les compétences, si je pouvais en ajouter d'autres. Et on va continuer un peu l'histoire principale parce que là, ça me. Il faut quelque chose, de bien là, parce que là, ça sature là. Salut Alex. Oh, salut Alex, ça fait plaisir de te voir par ici. Je viens rejoindre la mauvaise foi pour la mauvaise foi pour FF15. Il y a pas de mauvaise foi. Je suis en train de regarder en même temps Twitter et Facebook et tout ça. Le jeu est totalement différent. Regarde le dernier post que j'ai mis sur mon Facebook où j'ai mis Xbox One versus PS4. Voilà, c'est très symptomatique. Et tu vois ce que moi je suis en train de vivre sur Xbox One et ce que les autres vivent sur PS4 via la photo de Ludo. Vous voulez pas manger un bout? Et c'est exactement ça. Le jeu, c'est exactement ça. Tiens, regarde. Prompto, ça t'embêterait de faire des courses avec moi? Tiens, regarde, tu le sens là, la beauté graphique là de la forêt en bas? Alors, je dois aller en bas, moi. Je peux passer par là? Non, je suis obligé de faire tout le tour.
Non, je suis obligé de... Ouais, je suis obligé de faire tout le tour. Mais bon, moi maintenant, je suis un peu plus haut level. Ah oui, je voulais voir les compétences rapidement. 39 points de compétences. Permet d'effectuer des esquives même en plein saut. On va prendre ça. Et après, on va économiser. La VF est bonne. Te moque pas, la VF est plutôt cool. Est-ce qu'on meurt de trop haut? Ah bah non, il y a un mur invisible, bien sûr. Voilà. Voilà. Voilà, 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 voilà. Est-ce que je troll? Est-ce que je déconne quand je dis que c'est moche? Vous me croyez quand même? Ou sortez-vous les yeux du cul? Arrêtez de me dire... Non, arrêtez de me dire... Ouais, mais sur PS4, j'ai pas ce problème. Je m'en fous. Je suis sur Xbox One. Je teste la version Xbox One. Sur Xbox One, c'est moche. Tu peux pas dire autre chose. Et ne dis pas, ouais, mais parce que la PS4 est plus puissante. Les deux consoles se valent à quelques pourcentages d'exception. On est quasiment pareil. C'est vraiment un souci d'optimisation que des bridés avaient pas envie de bosser sur la Xbox One. Alors soit parce qu'on leur a foutu deux bombes atomiques et ils veulent pas bosser sur le truc américain, ils bouffent que sur le truc japonais. Ou alors ils sont vraiment bridés dans leur travail et ils avaient pas le temps. J'en sais rien. Mais bon. Xbox quoi aussi. PC Master Race, mais il est même pas sur... PC... Il est même pas sur PC, il sera en 2027 sur PC, on va rigoler quand il finira sur PC. On savait que le jeu sera pas fini, non mais... Je suis d'accord, on savait que le jeu sera pas fini. J'ai joué à la démo de Duskae. Mais Duskae était plus joli que ça. Duskae était plus fini que ça. C'est quand même bizarre. Duskae est un meilleur jeu que ça. Et c'est ça qui est dingue, au final. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des murs invisibles ici. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des murs invisibles. Faut que je descende tout en bas, que j'esquive le serpent et que... Parce qu'à mon avis, je suis pas assez haut level pour le serpent. Hein. On va pas se faire chier. Noct, attention sur la gauche. Merci. Non, mais je parle pas à toi en général, Alex. Hein. Je parle à tous les commentaires sur Facebook des mecs qui disent « Ouais, je comprends pas, le jeu est très bien pour moi. » Allons-y. Oui. Ouais, t'as des problèmes de bugs et... Merde, des problèmes de drop, de bugs, de mocheté. Ouais. Moi, j'ai aucun problème. Mais il me one-shot! Il dit pas que je suis pas assez au level, mais réveille-moi! Merci. J'ai pas vu le coup. Mais il me one-shot! J'ai 3 points de vie! Je suis niveau 19! Là, je t'ai en danger! Réveillez-moi! J'y suis déjà. Merci! Ah, ouais, toujours en vie. Pourquoi la musique s'est arrêtée? Merci! Oh là 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 là! Mais il me one shot! C'est pas possible! Je suis niveau 19, ils sont niveau 18! Dans la logique des choses, trou de balle, tu sais comment ça marche un jeu? Apprenez à développer des RPG, bordel de merde! Cette fois, la peur va changer de camp. Les autres font 1800 de dégâts. Moi, je fais 200. C'est normal. J'ai pas de compétences. C'est lamentable. Cette fois, la peur va changer de camp. Ça suffit. Mais donne-moi ta sulfateuse! Ah, je remets. Je t'aurai! Mais c'est ça le truc, Alex. Moi, je suis une fan. C'est bon. Depuis des années, j'ai pas l'impression de jouer à FF déjà. Le pire reste les morceaux de phrases manquantes dans le tuto. Ah, je l'ai pas vu, j'ai pas fait le tuto. Mais non, j'ai pas l'impression de jouer à FF. J'ai l'impression de jouer à un FF vietnamien à la Dragon Ball S. Ridicule. Et honteux. Coucou mon cœur.
Regarde les angles de caméra en PLS, le système de jeu en PLS, les mécaniques de fight totalement en PLS, c'est mal branlé et brouillonne, confuse, c'est... Mais pourquoi il me one shot? Ça va faire mal. Tu vois, ça va. Pronto, c'est bon. Heureusement qu'il y a les balles perçantes de Pronto. Eh, fais-le! Fais ta balle perçante! Eh bah, dis donc. Cette fois, la peur a changé de camp. Eureka! Ah, étoile! Eh bah, putain. J'ai pensé à une nouvelle recette. Pas que ça, foutre. Pour les gouttes. Eureka! Qu'est-ce qu'il y a, Inès? J'ai pensé à une nouvelle recette. C'est ta seule optique. Ok, super. Je te demande de ramasser, pas de sauter, trop de balles. Tiens, tu fais une belle photo? Bien vu! Je prends ça en photo. J'ai hâte de voir ce que c'est. Oh là là, la chute d'eau, comment elle est dégueulasse. La chute d'eau, comment elle est dégueulasse. Allez, un petit clic. Ouais, on est sur Phantasy Star Online. GameCube 2002. Oh, la lumière est superbe. Sorti quand Phantasy Star Online? Ils ont espéré rattraper le coup avec le demi-échec de FF13, mais c'est raté. Et j'attends de voir la version PS4 du jeu, parce que la version One est aussi moche que ma femme. Celle que j'ai pas. Je regarde vite fait sur Facebook ce que ça donne. C'est largement suffisant. J'ai faim, moi. Je bosse, Putain, les mecs, ils disent, au pire, les screens, ça existe, range la caméra de ton smartphone. Alors, un, tu te rends compte très bien, y a pas besoin de... Ça sert à même pas, ça sert à rien de répondre. Oui, il paraît qu'il y a des customs pour les sables. Non, j'ai totalement zappé, il faudrait que j'aille voir en ville s'il y a... S'il y a des... Mais quoi? Je dois aller derrière! Bah, je fais comment? Bah, tu sais pas nager, en plus, t'es un héros qui sait pas nager. Je me dis pas que je suis venu tout jusqu'ici pour rien. Ce jeu, c'est plus qu'une honte. Ce jeu, c'est une hécatombe. C'est un truc de dingue. Ah, c'est peut-être par là. C'est pour moi, pour après. Alors, il paraît que c'est derrière la chute d'eau. Bon, allons vérifier ça. Ah, j'ai l'impression qu'on peut passer. Bah, t'as vu la taille de la grotte? Oui, on peut passer. Tiens! Je crois bien que j'ai trouvé une entrée. Alors cette histoire... Edith, c'est moi où la température baisse. Ça vous dit pas d'aller chercher des manteaux? N'importe quoi. Une chochotte. Une grosse. Remarquez, il fait tellement froid que si ça se trouve, il n'y aura pas de démon. Tu parles, tu s'en tapes de la température.
Ouais, peut-être. Ah, mais il se pourrait qu'ils soient tous congelés. Comme d'horribles blocs de glace. Voilà le comité de... Oh, des blobs! Super hommage à FF1. Mais en plus moche. Level 14. Mais regarde, level 14 et one shot. Ah mais pourquoi j'ai pas mes vies à fond? Ah, j'ai un maximum de vie. Donc une connerie comme ça. Qu'est-ce que tu fais toi avec ton truc à DJ là? Cette fois, la peur. Faut qu'ils arrêtent aussi de faire des trucs dans les cavernes. Faut qu'ils arrêtent de faire des trucs dans les cavernes, ils savent pas gérer des caméras. Alors, faut absolument que je me soigne, moi. Et ça soigne pas, ça? Ah, c'est à ça que servent les élixirs. Ok. Attention. Un malheur ne vient. Prompto et haïssable au possible. Dans les anciens FF, on avait les petites poupes du genre Vanille et Riku. Maintenant, on a Prompto, c'est ça. Bah, au moins, c'est un peu l'égalité des sexes. Au moins, c'est bien, ça équilibre de ce côté-là. On a des petites poufs dans les deux sexualités. Donc, c'est déjà ça, quoi. Ce qui est assez cool, quoi, au final. Bien. Cette fois, la action s'est fort. Bien joué, Tremblo. C'est normal. Très bien. Regarde ce que tu fais. Je suis désolé. Je vais avoir des engelures. Par contre, la VF est très bonne. Encore une fois, la VF est très très bonne. On y va. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Même pas. Il s'est rien passé. J'ai juste appris que le roi était mort comme dans le film. Et après, j'ai cherché des coquillages, des coquelicots, des poitrines de porc et il s'est rien passé. Rien. Le jeu, ça fait 7 heures que je joue, il s'est rien passé. Je fais du FedEx non-stop à gauche à droite et c'est super chiant. Tais-toi un peu et cherche. Non, au moins, tu peux faire du toboggan ici. Mais regardez-moi les dégueulasseries de cette caverne, quoi. FF13 est plus beau. FF13 ? Il a quel âge, FF13 ? Eh merde. FF13 est plus beau, la cam est mieux finie, même si le jeu est horrible et que c'est une... Oh là là ! Ah, niveau 12. Ah, mais c'est le boss de la dernière fois. Sous mes collègues là, quand vous voulez les mecs. Maintenant tu gères. Cette fois, la peur va changer. Merde, y'en a combien? Joli travail. Député. Coupe-moi ça. Regarde, bien allumé, je crois. Fais des prières. Si. Ah, je les ai bien allumés là, je trouve. Là, j'ai bien joué. 2009 FF13, putain. Bien fait. 7 ans déjà. 7 ans et le jeu est moins beau que FF13. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Faites gaffe, ça glisse. Avancez tout doucement. Il vient de perdre son père, mais il doit aller chercher des coquelicots et des coquillages. Non, mais il vient de perdre son père. Et ce qu'en plus, c'est dans le jeu, c'est extrêmement mal expliqué, c'est que quand le père meurt, toute la magie du royaume s'éteint. Donc c'est tout le pays entier, la planète entière, qui perd sa magie. Donc c'est pas juste qu'il a perdu son père. C'est tout le pays entier qui va revenir à l'âge de pierre. Enfin, à l'âge de Noctis. Et
C'est beaucoup plus grave que ça. Et monsieur va chercher du coquillage. Ah cool. Bon, quelle est la stratégie? Merde, j'ai oublié de me soigner les vies. Je me contenterai de les contourner. C'est pour moi, pas. Cada. Mais à quoi sert cette arme? Elle a besoin de 18 000 ans pour tirer, quoi. À mon tour. C'est pas le moment de faire la sieste. Tu me sauves la vie. Très bien. Je suis trop loin de la zone de combat. Ta femme des trucs durs. C'est assez périlleux de se battre dans le noir. Vous pourrez allumer la lumière, très bien. Quel programme. Pourquoi tu sors du combat? À se parler. Passe à l'action. C'est fini. Laissez-moi. Soyons prudents. Mais j'ai pas visé là-bas. Mais c'est quoi cet auto-visé de merde? En tout cas, Pronto, c'est peut-être la tafiole, mais il joue un beaucoup meilleur jeu que moi. Hein. Réveille-moi! Merci pour le coup de main, Elise. Je ne ferai pas plus de la Ah, mais attends, quand je me mets quelque part et je recharge les vies ou je sais pas quoi, attends. Attention, il y a des monstres. À mon tour, ça a l'air d'aller bien. Il est empoisonné. Voilà, il se passe quoi? Ah, bah voilà, je recharge des vies. Gladio n'a pas l'air en forme. Je dois être empoisonné. Le coup de grâce. Pas de problème. Rien que. Non, mais vous êtes comment? Bon, et ben continuons comme ça alors. Non, pas la bombe. Oh, il a failli l'utiliser ce con. Pronto. Cette fois, la peur va changer de camp. Il joue un meilleur jeu que moi, Pronto. Tout le budget est passé dans l'animation du gilet, c'est exactement ce que j'ai dit dans Death Cave en fait. C'est brouillon, c'est même plus un torchon qu'un brouillon. Alors attends, élixir. En plus, il y a un passage dans une caverne dans The Sky. Et le passage, il est beau. Le passage, il est beau dans la caverne. Là, c'est horrible. L'échec n'est pas une option, là. Oh, c'est une caméra. Super. Ok. T'as pas encore jeté le CD par la fenêtre? Bah non, je l'ai en dématérialisé.
Le menu est laid. Ça, j'ai connu. Oui, il est laid. J'ai connu pire, mais il est laid. Enfin, tout est laid dans le jeu. Tout est laid dans le jeu. Il n'y a pas un effet que j'ai dit « Oh, c'est pas mal !» Tout. Et pourtant, je suis un mec qui s'enjaille pour des pâquerettes dans Gear of War 4, quoi. Oh, bien, ça va me râler les couilles, là. Salut, Rolia.